Allez, salut à tous, bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement, on va démarrer dans quelques minutes. On ne me parle pas du match, s'il vous plaît. On ne me parle pas du match. Allez, bonsoir à tous. J'espère que ça fonctionne. J'ai l'impression que moi j'ai des petits lags sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Salut les fidèles. Salut Farfa. On a déjà parlé ce soir, Farfa. Non, on ne parle pas du match. Parle pas du match. Non, ben bah, écoutez, bravo à Séville. Hein. Bravo à Séville. Maintenant, ce qui est fort dommage et ce qui est très frustrant, c'est de perdre un match comme ça, putain, quand tu peux avoir 3-0 à la mi-temps, quoi. Hein. Bah, c'est le foot, hein, c'est comme ça, si vous voulez. Oui, deux pénaltys non sifflés, si tu veux. En tout cas, un sûr, deuxième, pas loin, la troisième main, il n'y a pas péno, mais. Donc, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais Liverpool n'a pas existé en seconde mi-temps et ça n'est pas l'esprit de Liverpool. En fait, j'avais l'impression de voir l'équipe de Brendan Rodgers en seconde mi-temps, tu vois. C'est ça qui m'a énervé. Mais non, Roro, là par contre, je suis pas d'accord avec toi parce qu'à 3-0, bah, la deuxième mi-temps, elle est pliée, quoi. En tout cas, il y a des grandes chances qu'elle soit pliée. Donc, c'est pas le même scénario non plus. Voilà. C'est ça qui est dommage. Et surtout, voilà, c'est vraiment. En tout cas, au moins un penalty qui est volontaire avec la main. Donc, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est vrai. Après que Liverpool aurait dû réagir. Je pense que le fait de prendre un but tout de suite d'entrée comme ça, c'est cruel. Mais c'est bien joué de la part de Séville. Hein, c'est très bien joué de la part de Séville. Mais bon, c'est très 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 châteux. Et je pense que. Voilà, les gens qui disent que c'est mérité, là je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord pour dire que c'est mérité. Sur l'ensemble du match, au final, en tout cas sur la deuxième mi-temps, bah oui, parce que Liverpool n'a rien fait, mais si on regarde un petit peu le scénario de la première mi-temps, je pense qu'il y a un arbitrage qui aide beaucoup, 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 beaucoup. C'est dommage, en fait c'est dommage de perdre comme ça. Voilà. Autant ça aurait été, j'ai envie de dire, équitable et à égalité. Bon, j'aurais dit ok, normal, enfin, bravo vainqueur, quoi, parce que c'est deux belles équipes. Mais là, tu l'as mauvaise, quoi. Tu l'as vraiment, vraiment, vraiment mauvaise de perdre comme ça. Enfin bref. Mais voilà, l'an prochain, vous savez, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Il faut que je vous dise. L'Europa League, ça m'aurait fait terriblement plaisir, mais ça aurait été super. Ça aurait été ce que vous voulez. On aurait été en Ligue des Champions l'an prochain. Ça veut dire qu'on aurait eu encore un plus gros recrutement que ce qui est prévu pour cet été. Maintenant, je vais vous dire quand même un truc. Le dernier championnat que Liverpool a gagné, j'avais 2 ans, 3 ans. Deux, trois, tu vois. Donc, je m'en souviens pas. Alors. J'aimerais bien qu'on gagne un championnat pour une fois, tu vois. Alors si l'an prochain on joue pas de Coupe d'Europe, bah c'est peut-être pas plus mal. Parce que j'aimerais bien qu'on le gagne, ce putain de championnat. Hein, ça fait des années qu'on passe à côté, qu'on est deuxième, tu vois, machin. Puis il faut une glissade de Gerrard. Non, parce que celui-là, j'étais mal. La glissade de Gerrard, j'étais très mal. En plus, j'étais en plein examen. J'étais très mal. Mais j'étais pas bien. Mais vraiment. Vous pouvez pas imaginer. Là, j'ai gueulé, voilà, et tout. J'ai dit arbitre de merde, etc. Tout ce que vous voulez. Ça passe. Finale de Ligue des Champions, ça passerait moins dur. Mais bon, j'ai vécu celle de 2005, alors ça va. Non, par contre, la glissade de Gerrard, c'est pas passé. Ça passe toujours pas, d'ailleurs. Hein. Quand on m'en reparle à chaque fois, j'ai. Bref. Voilà. Royce, ça va faire mal. Mais Royce, ça pourrait faire mal. Non, ben j'attends de toute façon un très beau recrutement. Hein. C'est Liverpool, c'est Klopp. Pas de Coupe d'Europe, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Donc, de toute façon, la seule Coupe d'Europe qui aurait été intéressante, c'était la Ligue des Champions. La seule manière d'avoir la Ligue des Champions, c'était par l'Europa League. Bon, on l'a pas. Mais j'attends un beau recrutement de la part de Liverpool, ça c'est certain. J'attends un très très beau recrutement de la part de Liverpool. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, c'était le petit débrief du match. Bon anniversaire Woufti au passage. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui, les deux. Bon voilà, le débrief. Écoutez, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais Séville a bien joué le coup, hein, ça, clairement. Clairement, clairement. Bon, du coup, nous on va passer au vrai football. Au vrai football, au football juste. Parce que ce soir, c'était injuste. Alors, au football juste. Et le football juste, c'est quoi? C'est Parma. Alors, Parma, eh ben, on s'était quitté la dernière fois sur une troisième place, donc qualificative pour la Ligue des Champions. Ça, c'était plutôt pas mal. Et donc, aujourd'hui, bah, épisode Mercato. Et épisode Mercato en live. Je vous avais promis que j'en ferais un. D'habitude, je ne les fais pas. Enfin, c'est pas que je les fais pas, mais c'est que je suis lancé, je suis dans ma lancée, dans mon truc, etc. Et là, c'est vrai que je. J'avais pas trop fait de dernier live Mercato, en tout cas récemment. Donc, voilà. Alors, oui, comme dit Farfa, FM maintenant, c'est juste là. Bah écoute, c'est peut-être. Tu vois, les erreurs d'arbitrage, au moins, on les voit pas. Alors, c'est déjà ça, hein. Mais attendez, ça va peut-être me refroidir très vite. Bon, alors, voilà. Donc, j'ai un petit peu avancé quand même. C'est vrai, j'avoue, je vais vous le montrer, je vais vous le dire. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire la majorité du Mercato ensemble. On va regarder ce qu'il est possible de faire. On va regarder ce qui les forces en présence, forces, faiblesses, tout ce que vous voulez. Bref, en tout cas, on va juste commencer par aller regarder un petit historique. Je vous invite à ne pas regarder côté gauche. Soyez sympa. Donc côté droit, bon, enfin, en même temps, il n'y a rien d'intéressant. Alors côté gauche, première recrue. Première recrue, Phil Jones. Alors Phil Jones, c'était libre. Et je me suis dit, écoutez. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de joueur anglais en Italie. Joe Gomez était en prêt l'an dernier. Allez, il m'avait quand même bien satisfait, notamment sur la seconde partie de saison. Je me dis que un Phil Jones, ça peut le faire. Alors, Phil Jones, regardez quand même le niveau. C'est 17 en tacle, 16 en tête, 18 en courage, 18 en déter. Le mec est quand même très, 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 très fort. Attitude professionnelle, très courageux. Donc, avec Koulibaly, ils vont constituer la défense, alors c'est vrai qu'il n'a pas trop joué. Il n'a pas trop joué à United sur les dernières saisons. Mais en tout cas, c'est quand même du très 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 lourd. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est le type de joueur qu'il nous faut dans notre équipe. Des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer à la Coupe d'Europe. Bref, des joueurs de gros niveau. Alors maintenant, l'argotum qui dit bah, Phil Jones c'est souvent mauvais dans FM, on verra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra. Moi, en tout cas, je n'ai pas laissé passer l'occasion. Et puis, de toute manière, il vaut 21 millions d'euros. Alors, s'il est mauvais et qu'on doit le vendre, eh ben, on fera un peu d'argent. C'est pas plus mal. Donc voilà. Hein. Là-dessus, on peut pas. Vous pouvez rien dire. De toute manière, ne parlez pas tant qu'on l'a pas vu jouer. Ça se trouve, on va voir tout de suite qu'il est mauvais. Ben, s'il est mauvais, il est mauvais. Ben, voilà. Alors, la deuxième devrait également vous faire plaisir. C'est N'Golo. Alors, N'Golo, il faut savoir que je l'ai up, mais pendant qu'il joue au Dynamo Moscou. En revanche, l'ayant up, alors je l'ai up, mais je ne l'ai pas up au niveau de la mise à jour. Hein, donc, il a 145-155, ce qui est déjà très peu. Hein, mais, malgré le fait que je l'ai up, j'ai pu l'acheter 2 millions d'euros. Alors, je me suis dit, bah, écoutez, ça veut dire que Moscou l'achète. Alors là, bon, vous allez me dire, c'est un coup quoi? Ouais, en fait, je bénéficie du fait que N'Golo Kanté était moins bon dans la comment dire, dans la première mise à jour transfert, quoi. Donc oui, c'est un peu un cheat de cette manière. Mais bon, j'y peux pas grand-chose, quoi. Hein. Alors, il n'a pas le niveau qu'il a sur la seconde, comment dire, la mise à jour transfert d'hiver, clairement. Ça, il n'a pas le niveau. C'est donc bon, voilà. Alors, il sera certainement pas aussi bon, mais bon, écoutez, je vais quand même pas m'en priver. Hein. Je pense que il est pas non plus, nul à chier. Par contre, dire cheat, évidemment, ils me l'ont laissé pour 2 millions. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Il était sur la liste des transferts. Hein. Donc,
Voilà, hein, je peux regarder, on peut regarder les messages ensemble si vous voulez. Je n'ai pas utilisé l'éditeur, j'ai rien fait. Hein. J'avais changé son niveau pour le mettre à un niveau meilleur, comme je fais en général d'habitude, c'est-à-dire j'utilise l'éditeur pour essayer de, comment dire, de mettre à niveau certains joueurs qui dans la saison IRL sont bons. Je crois que j'avais fait de même avec Vardy, me semble-t-il. Voilà, j'en mets quelques-uns comme ça. Bon, alors Jamie Vardy, il est parti à Sheffield, mais je crois que je l'avais fait. Ah bah oui, voilà. Regardez, j'ai mis 145-155. Donc je l'avais un peu up aussi. J'en avais fait avec, je crois que je l'avais fait aussi avec Mahrez. Donc voilà. Voilà. Bon, je voulais, hein, on va pas s'en plaindre. Hein. Maintenant, il aura pas le niveau qu'il a dans la mise à jour transfert d'hiver. Mais enfin bon, il sera pas si mauvais. Et puis le troisième transfert que j'ai fait, c'est Ronny Lopez. J'avais une option d'achat à 3,5 millions d'euros, ce qui n'était pas beaucoup du tout. Regardez maintenant désormais sa valeur. 3,5 millions d'euros. Donc voilà, je l'ai pris direct. 3,4, pardon. Je l'ai pris direct, surtout qu'il nous avait fait quand même deux belles saisons à Parme. Donc je trouve que c'était une recrue intéressante. Alors, bah écoutez, on a tout à faire. Parce que là, l'effectif est quand même très, très, très léger. Alors, il y a Caporal Durand qui reste avec nous pour le moment. Hein. Donc ça, voilà. Maintenant, il nous manque un vrai buteur. Il nous manque... Il nous manque pas mal de choses quand même. Hein. Il nous manque pas mal de choses. Il nous manque des milieux, il nous manque des défenseurs. Est-ce qu'on vend les Ali ou pas ? Je crois que je l'ai mis sur la liste des transferts parce qu'il veut partir. Et je crois que c'est Villarreal qui va l'acheter. Donc il va partir, malheureusement, les Ali. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il veut partir. Donc il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Alors je ne sais plus où j'en étais dans les transferts que j'avais commencé à faire. Je crois que j'avais fait une offre pour Areola. Grimaldo, j'avais fait une offre. José Mori aussi, mais alors je n'ai plus les sous. Voilà, Barreca. Je crois qu'il y a le prêt de Casemiro aussi. Bref, j'avais fait pas mal de choses. Financièrement, on est très mal en fait. Hein. Financièrement, on est très très mal. On ne peut pas faire grand chose. Et donc, il faut que j'attende de vendre déjà. Et puis ensuite, il faut que j'attende d'avoir le budget pour l'an prochain que je n'ai toujours pas, a priori. Je l'ai eu, je ne sais plus si je l'ai eu. Mais ça va être difficile, hein. Ça va être très 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 difficile. Je ne sais plus du tout si on avait eu le budget qui avait été décidé ou pas. Je ne sais plus. Alors, pour tout vous dire, je ne sais plus. Donc, oui, il y a les droits de la LDC, oui. Mais donc, ça va être compliqué parce que... Voilà, on a un tout petit budget. On a même presque rien. Et donc, voilà. Donc, on commence juste avant le début de pré-saison. Quid, est-ce qu'on va pouvoir recruter les joueurs qu'il nous faut pour la Ligue des Champions? Ça va être complexe. Ça va être très complexe. Salut Thomas, comment vas-tu? Bon, je pense déjà, il nous faut un buteur. Il nous faut un énorme buteur. Alors, dans les joueurs libres, on va aller regarder. On va aller regarder qui y avait dans les joueurs libres. J'avais fait une petite sélection, me semble-t-il. Donc, on va aller jeter un coup d'œil parce que oui, il faut qu'on recrute comme ça, hein, globalement. Là, on n'a pas trop le choix. Encore une fois, ouais, il va y avoir les budgets de Ligue des Champions, etc. Mais bon. Ou alors on vend Angel Correa, quoi. Ou alors on vend Angel Correa. C'est aussi une solution, hein. C'est aussi une solution. J'écarte rien. J'écarte absolument rien sur ce mercato. À mon sens, il n'y a pas un joueur indispensable. Donc il peut tout se passer. Mais il faut vite équilibrer les finances qui sont absolument catastrophiques. Alors, Barreca va partir aussi. Alors, vente d'abonnement. Déjà, on va vendre un petit peu d'abonnement. Ça va nous faire du bien. Mais il nous faut quand même des gros joueurs. Alors, Grimaldo, ça le ferait. À gauche. Et j'ai envie de vous dire que Grimaldo... Alors, 8 millions d'euros, est-ce que c'est beaucoup? Vous voyez, c'est ma question, quoi. Maintenant, arrière-gauche...
C'est parfait, hein. C'est vraiment parfait, arrière-gauche, hein. Et il nous manque un vrai arrière-gauche, hein. Parce que Barreca, c'était pas top, hein. J'ai pas été tout à fait satisfait. Alors c'est 8 millions, mais sur un bon joueur. C'est 8 millions sur un bon joueur. Mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le reporter. On va attendre. On en discutera plus aisément pour tout à l'heure. Tout à l'heure. Après, il a un très bon niveau, hein. Ça, il y a quand même ça, quoi. Alors, autorisé absence prolongée, et eh ben pas de problème. Voilà. Tac. Alors, réunion d'avant-saison. Donc vraiment, là, on est en tout début de saison, hein. Jean-Brian. Non, Jean-Brian, il est à Wrexham. Alors, oui, alors regardez un petit peu. On va commencer par ça. On va commencer par regarder les joueurs libres. Donc, Touk. Et on va mettre contrat terminé. Alors, Burak Yılmaz, Miguel Veloso, Schneider, Wayne Rooney, Gary Cahill. Bon, il y a du vieux briscard, comme on dit, quoi. Hein. Il y a du vieux briscard. Tiens, Jožić. Jožić, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allons regarder. Alors, j'ai toujours intention quand même de recruter principalement italien, en tout cas si on peut. Et j'insiste sur le si on peut, bah, parce que malheureusement, on ne pourra peut-être pas forcément. Hein, ça va clairement dépendre du budget. Alors, vous voyez que Iheanacho, par exemple, Iheanacho, c'est peut-être pas idiot. C'est un bon profil. C'est un beau profil. 14 en finition, 17 d'inspiration, 14 de sang-froid. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Djuricic, on n'a pas observé, mais je suis pas très, très fan de joueur. Et puis, il n'a pas du tout joué au Benfica. Tu m'as dit qu'il y avait Insua côté gauche, que j'ai loupé. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant. Ancien Liverpool, d'ailleurs, Emiliano Insua. Par contre, des notes très mauvaises. Ça m'inquiète un peu, tu vois. Quand tu vois des notes aussi mauvaises, je suis pas fan. Hein. Alors ouais, Wayne Rooney, ça peut, on sait jamais. Ça peut se tenter. Tu sais, sur un malentendu, ça peut passer, c'est sûr, c'est sûr. Tiens, avec Glouchakov et Kombarov, là, t'as les Russes qui sont, ils ont pas mauvais non plus. Hein. Bon, ils ont 32 ans les deux, hein, mais. Il nous faut de l'expérience aussi pour la Ligue des Champions, c'est évident. Alors Wayne, par contre, bon, les stats ont un peu baissé. Hein. Les stats ont un peu baissé, mais ça se tente. Bon, là, il va pas accepter un contrat. Ah bah si. Ah bah il accepterait. Là, par contre, je peux rien lui proposer. Mais non, mais ouais, en fait, il faut que j'attende de vendre. Il faut que j'attende de vendre parce que là, je peux rien faire. Donc on va commencer pour le moment d'observer les joueurs. Mais là, je ne peux rien faire. Je suis Schneider, ouais, pareil. Je ne peux même pas proposer de salaire. J'ai aucun budget. C'est un peu triste quand même. Hein. Alors, Anastasios Donis. Un grec de 22 ans. Et il est demandé par Cordoue et Rennes. Il est observé par pas mal de clubs. Hein. Bon, je fais juste une observation pour le moment, hein. Je me lance pas. Ouais, il faut que je vende vite, hein, parce que sinon, ouais, je risque d'en louper. Hein. Alors, Veloso, 33 ans, ouais, j'ai pas observé. Je fais une observation. Je fais une observation. Mais là, c'est vrai que pour le moment, si je ne vends pas très très vite, je vais en louper. Ça, c'est certain. Alors, il y a le Daniele Baselli, italien, milieu. C'est un peu ce qu'on cherche. Moi, je vais aller l'observer. Je vais aller l'observer. Alors, Yakido, donc Jožić, on a lancé une observation. Kerkouka, ouais, bon, c'est un peu vieillot. En 32 ans. Alors, si vous en connaissez d'autres, allez-y, hein, dites-moi. Là, j'observe un petit peu ceux que je connais de nom et qui me paraissent intéressants. Voilà. C'était la sélection que j'avais. Eh, Parolo, c'est pas mal, hein. Parolo, ça m'intéresse, vous voyez. Ça m'intéresse, même si 32 ans, alors il n'a pas du tout joué à City,
mais il a quand même un niveau très intéressant. Malgré ses accélérations et sa vitesse qui sont un peu faiblards, le reste c'est bon, hein. Le reste c'est très très fort, Parolo, hein. Ça peut être pas mal du tout, Marco Parolo, italien en plus. Moi, ça me tenterait pas mal, hein. Ah ouais, bah après, si je pouvais avoir Candreva, tout ce que vous voulez, je prends, hein. Iheanacho, je pense que ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant. Et Jussi-Léhi, c'est pas mal aussi, hein, brésilien. C'est pas inintéressant non plus, hein. Donc, il y a quand même quelques gars qui peuvent être pas mal, hein, en joueur libre, faut quand même le dire. Bon, Gary Cahill derrière, je vais quand même pas avoir une défense anglaise. Mais enfin, il a encore un bon petit niveau, Gary Cahill, hein. N'exagérons rien, mais il est pas catastrophique, hein. Et Xabi Alonso? Ah oui, Xabi Alonso, par contre, Xabi Alonso, c'est vieux, hein. Non, mais là, en fait, je vais faire l'équipe de Papy. L'équipe Papy. Papy, papy, papicciolo. Toi, Bruno Nazario. Connais pas ça. Connais pas du tout, mais ça a pas l'air formidable. Prends Cahill et vends Jones. Il vient d'arriver, mais tu vends Phil Jones direct. Comme ça, c'est parfait. Ça te fait du pognon et tu perds pas trop au change. Bah pourquoi pas, ouais, mais le problème, c'est qu'il va pas partir tout de suite, hein. Et puis ça se trouve, il va nous faire une putain de saison. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tiens, un ailier gauche. Hop, on va observer. Gacinovic, il jouait où là? Francfort. J'ai peur quand même de me limiter très très fortement dans. T'as une bonne gueule, toi. De me limiter malheureusement très fortement dans les joueurs qu'on va devoir prendre. Ça va être complexe. Hein. On va mettre Fatto. Ah ouais, toi, t'es un bon gros défenseur. Toi, en fait, t'es pas du tout un milieu, t'es un défenseur. Garmache, alors je sais que Garmache, il se blesse souvent. Donc c'est pas top. Toi, oui, bah t'es déjà en observation, je suis bête. Ouais. Bah écoutez, déjà en joueur libre. On va attendre de vendre un petit peu. Afin d'y voir un peu plus clair, quoi. Afin d'y voir un peu plus clair. Parce que là, c'est très 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 compliqué pour le moment. On n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit, quoi. Et puis alors, si on vend les Ali, bah, nous falloir un gardien. Alors c'est pour ça que j'avais fait une offre pour Areola. Une offre pas très très chère. Moi j'aimerais bien, en fait, encore une fois, on va devoir prendre des joueurs en prêt. Comme d'habitude, on va s'en sortir comme ça. On va s'en sortir comme ça. Mais c'est malheureux de te dire que t'es un club en Ligue des Champions et que tu t'en sors avec des prêts, quoi. T'as fait un peu Lillestrøm, hein. Sauf qu'en jouant en Italie. Alors, Barica vers Burnley. Est-ce que déjà, juste avant, on peut pas. Ah bah non. Non, parce que j'allais demander ce qu'ils augmentent là. On a quand même des salaires, je comprends pas là. Bon. Alors, tac, Barica, on vend. Léali, c'est vendu. Obligé. Obligé. Alors, Léali, il voulait partir. De toute manière, ça ne servait à rien de le garder. Il n'arrêtait pas. Déjà la saison dernière, là, cette saison, il voulait partir. Écoutez, voilà, on va trouver un autre gardien. Ça va être difficile, à mon sens, de trouver un gardien aussi fort pour pas cher. Mais voilà, on était obligé. On était obligé, vous voyez. Ah oui, Bernard Deschini, là, de la FIO, ouais. La FIO, c'est pas mal, ouais. Alors, Barreca à Burnley, Léa Ali à Villarreal, voilà. Bon, alors, on a un Jojic. Iheanacho, c'est pas mal, hein. C'est plutôt. Si on lui propose un contrat, ça donne quoi, Iheanacho? C'est pas cher! C'est pas très cher! Attends, je vais lui mettre un montant de clause libératoire à 30. Pas d'augmentation de salaire jusqu'en 2023. Franchement, 2022, ah bah écoutez, ça passe. J'ai même pas envie de négocier à la baisse parce que 90K, ça me paraît pas énorme. Donc ça serait intéressant. Alors à voir s'il a d'autres propositions en attente. Pour le moment, on est les seuls. On va voir s'il y a d'autres clubs qui vont se mettre dessus. Alors Insua serait une recrue utile, mais c'est pas vraiment recommandé. Glouchakov, ok. Denis, pas mal. Veloso, pour le moment, c'est pas top. Basseli, c'est plutôt intéressant, hein, Basseli. Daniele Basseli, 27 ans. Bon, Cordoba s'est mis dessus. Jussi-Léhi, c'est plutôt bien noté. Gary Cahill, moins bien, mais bon, ça se tente, hein.
Franchement, Gary Cahill, ça se tente. Hein. Après, il joue plus à Chelsea, mais. Alors, bon, ouais, les Dragowski, tout ça, va falloir qu'on aille regarder, mais. Alors, par contre, Xabi Alonso, il est encore super bien noté. Bon, ok, par contre, le 4 d'accélération et le 4 de vitesse, ça fait très mal. Mais enfin, tout le reste, c'est énorme. Hein. Tout le reste, c'est énorme, mais dans ma tactique, ça passera pas. Ça passera pas, malheureusement. Ça sera très très compliqué de le faire jouer correctement. Alors, qui est intéressant là-dedans? Qui est intéressant? Est-ce qu'on prend Wayne? C'est vraiment pour le principe de le prendre. Hein. Tu le mets en attaquant de soutien et basta. Hein. Mais c'est vraiment pour le principe d'avoir Wayne Rooney à Parme. Et il demande un gros contrat, hein, le bâtard, hein, quand même. Hein, Mais bon. Moi, je dis que ça se tente. En 216. 160. 160, allez. 180. 180, ça se tente. Bon, il veut pas. Il veut pas. L'agent est un canard. Ah, Timo Horn derrière, ouais, c'est des bonnes idées, ça. C'est une bonne idée, Timo Horn. Toute façon, on va faire par poste. Hein. On va faire par poste. Déjà, il nous faut un grand gardien. Un grand gardien, un grand buteur. Ensuite, on verra. On pourra s'arranger du reste. Parce que là, il y a des joueurs en prêt, des joueurs libres, Jusilei, là, notamment. Moi, j'ai envie de tenter Parolo. J'ai envie de tenter Parolo. Parce que ça quand même, il y a quand même une belle expérience et peut-être Kyle en défense, hein. Sincèrement. Il manque beaucoup là, mais ça se tente, hein. Ça se tente Kyle en défense. Hein. On va voir combien nous on peut lui donner, mais bah, 166 ça passe pas, 178, 204 il demanderait. Allez, 180. 180. Ça passe à 180 000 euros par mois. Alors, Parolo, moi je trouve qu'il a un profil intéressant. Il a un profil intéressant pour notre équipe. Ancien de Lazio et de City dans la partie. Et il ne demande pas énorme. Et il est mis comme joueur clé direct, quoi. Moi je vais le mettre en. Ouais, bon, non, je vais laisser joueur clé. Je vais laisser joueur clé, je vais pas m'opposer. Je vais lui mettre un peu moins. 116K. 140. 120. 134. 124. 124, ça passe. Kanté, on l'a déjà. Hein. Kanté, on a déjà N'Golo. Donc là, si on regarde un petit peu, là, si on prend comme ça la tactique. Donc, à droite, on a Calabria. Ça, c'est bon. À gauche, on pourrait potentiellement avoir Grimaldo, mais pour le moment, on n'a rien. Alors, là, c'est Phil Jones, Koulibaly. Derrière, ça, c'est pas mal. Milieu def, bah, on n'a pas une personne dédiée, quoi. Donc, ça serait plutôt Carmona ou Nocerino. Meneur de jeu, pour le moment, c'est Melegoni ou N'Golo. Là, on attaque par exemple N'Golo. Voilà. Ici, bah, c'est Cercy. À gauche, Correa ou Ronny Lopez. Et puis là, c'est Albert Durand, quoi. C'est pas top, hein. C'est pas top, on n'a pas de gardien, on n'a pas d'arrière-gauche. C'est pas hyper, hyper, hyper violent, quoi. Hein. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez là, mais c'est faiblard quand même. C'est très très faiblard. Alors, il y a quelques joueurs là qui sont dans la rotation, mais. Ça va être compliqué. Je le dis, ça va être très 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 très, très compliqué. Par contre, on va peut-être organiser des matchs amicaux parce que je crois que j'en ai pas organisé beaucoup, beaucoup. Donc, bah, on va mettre un le mercredi.
À domicile, on va se faire déjà un gros match pour commencer contre la Roma. Voilà, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on va récupérer un peu de sous-sous comme ça. Hein. Ensuite, le samedi ici, étranger, bah, on va venir faire aussi voilà, le Bayern. Bah, voilà. Hein. Et puis ensuite, on va mettre des plus petites équipes parce que on va pas non plus commencer à. Équipe de. Tac, et puis équipe de faible réputation. Qui on peut mettre Lecce. Voilà, c'est bien. C'est censé être une équipe inférieure. On commence quand la saison? Oh là là, on commence très très tard, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, je ne vais pas mettre trop de matchs amicaux non plus. Équipe de faible réputation, on va mettre. Venezia. Voilà. Je mets des petites équipes hein, pour pas. Et puis on va en mettre un ici. Voilà. Équipe de faible réputation. Toujours en Italie. Cesena. Et voilà. Et salut crème au poireau, ouais. Ah bah Albert Durand, il fait peur direct. Hein. Direct. Tu vois, c'est le mec qui fait waouh. Bon, bref. Comme dirait Pépin. Attendez, j'avais pas. Je crois que j'avais pas. Non. Je pensais en plus, mais pas du tout. Alors, en prêt. En prêt, il y a du monde. Hein. En prêt, il y a du monde. Donc, on va devoir se tourner là-dedans, de toute manière. Obligatoire. Obligatoire. Alors, Casemiro en milieu def, ça m'aurait bien fait plaisir, hein, quand même. Hein. Je dois vous avouer. Et puis surtout qu'il est à 11 500 000. Alors, il n'est pas cher, mais il a juste un salaire de malade, quoi. Mais alors lui, en milieu def, c'était parfait, parce qu'on a, au final, on n'a pas vraiment un milieu def de métier. C'est vrai aussi, ça. Ça, c'est un peu gênant. Alors, Zappa Costa, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on a déjà un très bon arrière-droit. Mais on n'a pas, ouais, voilà, ça nous manque aussi. Ça nous manque aussi. Et ça, je ne sais pas comment... Ah, oulala, Fosu-Mensah. Il a progressé aussi, lui, hein. Il a progressé aussi le petit là. Hein. Et en défense, on ne peut pas l'avoir en prêt. Donc 40 000, oh, c'est pas très cher en plus ça. Hein. Ouais, attends. Moi je le tente. Hein. Je le tente, Fosu-Mensah, là, parce que je viens de le voir, et ça fait un défenseur, en prêt, qu'on paye pas trop cher, ça peut être intéressant, je vois qu'il y a Jason Denayer, mais il est blessé, mais pourquoi pas? Casimiro au Barça, ouais, Casimiro au Barça, Saint-Maximin, ouais, bon, de toute manière, ça va se... Ah ça c'est un petit Regen aussi pas mal là, regardez. Pas dégueu celui-là, hein. T'as le futur Robert Lewandowski qui est au Real. Hein. Il plantouille un peu aussi celui-là. Hein. J'avais fait une offre de prêt pour lui? Ah oui, j'ai fait une offre de prêt. C'est un jamais, hein. Il y a le petit Yanis Hadji aussi, ah, qui n'a pas encore un énorme niveau. Mais ça devrait pas tarder. Tiens, Ben Davis à gauche. Pourquoi pas, hein. Ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Sviatchenko, Lucas Hernandez, tiens, c'est peut-être pas idiot non plus. Deulofeu, Vertonghen, est-ce qu'il a encore un bon petit niveau, Vertonghen? Mais bah, carrément. Mais bah, bien sûr qu'il a un bon niveau encore, Vertonghen, dis donc. Eh, si on le prend en prêt avec option d'achat. On prendrait. Ah ouais, ça c'est pas bête ça. Hein. Attends. Attends, c'est très fort ça. C'est très fort, Vertonghen. Alors là, vous allez me dire, oui, tu recrutes pas du tout italien là. Bah, je fais ce que je peux en même temps, hein, j'ai envie de vous dire. Je fais ce qu'il est possible de faire. Alors, par contre, c'est 185 000 euros par mois. Ça serait ça son salaire en gros, hein. Il demande 3,2. Je vais mettre à 2 millions l'option d'achat. Ça passe à 2 millions. Et je fais mon offre hein, pour Vertonghen hein, parce que c'est pas mal. Hein.
Et salut, Ornotim. Alors, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oh, le reste, ça va être compliqué là. Hein. C'est pas. Kishna, ouais, Kishna, je l'avais testé, j'avais pas été fan l'an dernier, hein, notamment avec Rexham. Non, là, dans les prêts, bon. Dans les prêts, il va falloir qu'on attende un petit peu aussi. Alors, en transfert. En transfert, en transfert. Il y a qui sur la liste d'intéressants? Il y a Saponara. Saponara. Saponara, ça serait un transfert intéressant. Mais alors, il jouerait où? Parce qu'on joue pas vraiment avec un meneur de jeu. Tu vois. Il jouerait à droite. Il jouerait devant. Il a les capacités pour jouer devant. Mais italien, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Non, ça, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Bittencourt, non. Alors, Stoaro, qui est toujours là. Hein. Stoaro, qui est toujours là. Qui est toujours là. Qui est toujours potentiellement recrutable. Personne n'en veut pour le moment, j'ai bien l'impression. C'est quand même un bon joueur, c'est malheureux. Derrière, ouais, alors Ben Davis, c'est aussi sur la liste des transferts. Ça me plaît pas plus que ça, quoi, les mecs qui sont sur la liste des transferts, quoi. Voyez, j'ai pas un coup de cœur, quoi. Bon, après, il va falloir trouver quelque chose de logique et voilà. Mais là, comme ça, je suis pas emballé, quoi. Je vous le dis, hein. C'est pas vous, hein, mais. Bon, il y en a quand même quelques-uns de pas mauvais, hein, mais bon. Oh, Patrick Ekeng, le pauvre. Kishna, je vais quand même aller observer, sait-on jamais. Sousso, excellent. Ouais. Mendy. Benjamin Mendy à gauche. Je vais l'observer pour le principe. Enfin, avec sa petite raie blonde, là, tu vois, il me fait un peu peur. Hein. T'as comme ça, là. Je suis pas emballé, hein. Je vous le dis, hein. Je suis pas emballé du tout, hein. Qui tu dis en milieu def? Parce que ouais, milieu def, là, on a personne, hein. On a personne. Je me souviens plus dans les joueurs libres qui y avait en milieu def qui était intéressant. Il va falloir qu'on regarde. Là, il y a Hernani. Ouais, on sait jamais, mais enfin. Oh, non, j'aime pas. Non. Non, ça me dit rien. J'ai pas confiance là. J'ai très très peur qu'on soit embêté quand même. Hein. Il y a Stambouli, mais Stambouli au Barça. Aïe 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 aïe, Stambouli au Barça. Putain, ça fait mal quand même de voir ça, quoi. Les aberrations dans le jeu, hein. J'avoue que Sousso. Ouais, putain. Aïe aïe aïe. Ah ouais, sur l'aile, il fait mal. Il fait très mal. Ah, il y a des stats. Waouh, quoi. À droite, il serait fantastique, hein. Il y a Gary Medel? Télécon. Sérieux? Attends, je prends ça. J'ai pas vu. Je suis passé, j'ai pas vu. Ah bah il y a Ravi Martinez, remarque, aussi. Tiens. Bon, par contre, la vitesse, ça va pas. Je n'ai pas vu Gary Medel. Attends, alors. Tiens, je vais aller voir Hendrix aussi, parce que vous m'avez dit d'aller le voir. Pas trop trop fan du profil. J'observe quand même parce que. C'est peut-être pas idiot cette histoire. Alors attends, il y a Gary Medel. Il est où Gary Medel? Parce que alors ça, en termes de milieu def, ah bah voilà. Ah bah on l'a. Ah bah ouais. Ah bah direct. Ah bah direct. Hop! Allez, toi tu vas venir. En plus 1,8 million. Alors t'es vraiment pas cher. Alors boum. En plus habitué à la Serie A, direct. Voilà, alors Gary Medel en milieu def. Alors lui. Alors lui. C'est du costaud. C'est du très 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 costaud, hein, Gary Medel. Bah ça c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Sousso, j'avoue qu'il me fait réfléchir. Hein. Parce que là, c'est vrai que dans FM, il est peut-être
plus fort qu'en vrai. C'est bon. C'est très bon. C'est très très bon. Il demande 15 millions. Je vais attendre un peu qu'il baisse. Et on va voir. On va voir. Allez, on passe un petit peu. Ah, Pedro Obiang, très cher. Pedro Obiang, très cher. Il est jeune, il vient de City. On laisse tomber. On laisse tomber. Bon, ça va déjà nous donner un peu plus de visibilité. Maintenant, alors, pensons au grand gardien aussi. Ça, il faut penser au grand gardien. Parce que ça, on n'y a pas encore pensé. On n'a pas encore regardé. C'est quand même très très important, si on veut faire une belle saison, d'avoir un bon gardien. Et vous le savez comme moi. Donc ça va aussi forcément nous limiter. Alors, Medel, ah, il demande un gros salaire hein, quand même, hein, le petit Gary Medel là. Je suis pas fan de ce qu'il demande, hein, je t'avouerai. Pourquoi on peut pas. Je peux pas donner de salaire, mais c'est. C'est vraiment. Évidemment, ils veulent pas débloquer des fonds. Bah non, ça serait trop simple. Ça serait trop simple, là, Étienne. Ça serait trop simple. Bon, alors, 150K, je te donne 1 million. Et je vais mettre un peu plus à l'agent, parce que comme ça, il va pas me faire chier. Alors, tu dis quoi là? Là, tu dis quoi? T'es pas formidablement d'accord avec ce que je te dis. Hein. Alors, prime à la signature. Bon, j'avoue qu'il n'est pas cher, mais enfin, bon, je te mets 1, 2. J'ai mis 150. Je vais mettre 160. 200K. Je te mets 1, 5. Je mets 170. Hein. Déconne pas, hein, tu prends. Ça hein. Va passer. Ça va passer, on va l'avoir. Tant pis, hein, Je mets du lourd, hein, mais je suis obligé. Voilà, ça passe. Bon, c'est quand même un gros salaire, hein, mais c'est très important. Bah, Areola, oui, c'est vrai que j'avais fait une offre pour Areola de 4,2 millions. Donc, why not, hein? Areola, c'est pas mal, hein? Areola, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien, on me dit, un gardien italien, t'as Donnarumma et tout. T'as quand même du très fort, quoi, hein? Ah, Donnarumma là, il est où, Gianluigi? Il joue même pas au Bayern. Là. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Prêtez-le-moi, putain. Il veut pas. Ils veulent pas le prêter. Ils ne veulent pas. Bon, Timo Horn. Timo Horn, est-ce qu'il est toujours à Cologne? Il est toujours à Cologne. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. A-t-il toujours son option d'achat pas chère. J'ai pas l'impression. Donc là, ça va être plus compliqué. Là, ça va être plus compliqué. Handanovic, il doit toujours jouer, hein, le pépère Handanovic. Hein. Malheureusement pour nous, hein. Déjà attendre un petit peu que de voir où on en est dans notre recrutement. Sirigu, t'es pas bête, toi. Hein. Sirigu, c'est pas bête du tout. Hein. Faut aller regarder où il est. S'il est toujours à Paris, s'il joue en réserve, why not? On va aller regarder ça. On va aller regarder ça parce que c'est pas. C'est vrai que j'avais pas pensé du tout à Sirigu. Mais c'est pas bête. J'entends réfléchir. Donc voilà, vous me disiez Handanovic, Navas, tout ça. Bon, c'est quand même des gardiens qui ont potentiellement un petit niveau, quoi. Hein. Sousso serait une recrue de qualité. Tu m'étonnes. En tout cas, pour le club, c'est évident. Alors, donc, Sirigu. Toujours au PSG. Toujours au PSG. Est-ce qu'il joue?
C'est telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypochondriaque. 2019-2020, bah oui, c'est cette saison-là. Il a joué 12 matchs l'an dernier. Il a un contrat. Ah, il a encore une petite valeur hein, quand même, Cyril Gouin. Donc c'est pas pour maintenant. Hein. Alors attendez, je vais quand même regarder les Dragowski, tout ça, si on sait jamais, si on peut en avoir un au prêt. Tu vois. Parce que Dragowski, il est au Real et il joue pas, j'ai l'impression. Hein. Donc, mais bon, comme il est dans l'équipe type et qu'il va être second gardien, eh ben ça sert à rien. Rajkovic. Alors je crois que Rajkovic est à Cagliari, voilà, dans la partie. C'est le truc assez improbable. Bon, il vaut pas trop cher, hein. Il vaut pas trop cher. Mais est-ce qu'on a les sous? Est-ce qu'on a les sous? Ah non. Eh non, on les a pas. Bien sûr que non, on les a pas, les sous. Bon. Salut Badgon, ouais. Alors Navas. Keylor Navas, il est toujours au Real. Est-ce qu'il joue? Bah, c'est peut-être le gardien titulaire du coup. Enfin, c'est sûrement le gardien titulaire même. C'est le gardien titulaire, Keylor Navas. Keylor Navas. Alors Handanovic. Parce que Handanovic, il a peut-être un peu vieilli, mais il va être aussi gardien titulaire. Vous savez que les gardiens, ça se garde. Hein. Ça se garde longtemps. Ouais, ouais, titulaire à l'Inter. Titulaire à l'Inter. Et Buffon, ouais, il est chez moi. Mais dans le staff. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il nous proposerait en transfert réaliste? Gardien. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'il nous propose en transfert réaliste, au court? Alors, Lincoln, 43 millions. Putain! C'est qui, ce gars? Ah, mais faut arrêter le délire avec les Brésiliens dont on n'entend plus parler, hein, maintenant. J'en ai marre, hein. J'en ai marre. Bon, ben, non, alors, tout ça, c'est dans les... C'est, je veux dire, ok. On estime que c'est des transferts réalistes. Vous êtes d'accord, hein? Il n'y a pas de problème. Ça choque personne. Tu vois, les montants des joueurs, mais ça choque pas. C'est pas grave. Alors, on va mettre gardien, hein, parce que les gardiens sont quand même un peu moins chers de manière générale. Mais ils vont tous nous les mettre, du coup. Hein. La majorité, c'est bon. Alors, Alisson, bon, attends, on descend, hein, les premiers on descend parce que c'est trop cher. Alors là, ça commence à être moins cher. Là, Ospina, Koval. Ah, Koval. Ouais, mais Koval, ils vont pas le laisser partir pour 8 millions. Hein. Jamais de la vie, ils le laisseront partir pour 8 millions. Mais ça a le mérite d'être intéressant. C'est un gardien que je n'ai jamais testé au passage. Et je sais qu'il est pas mauvais. Alors, il y avait Yann Sommer, mais c'est cher. Tout le reste, c'est cher. Hein. Tout le reste, c'est cher. Sportiello, il n'y en a pas un qui m'en parlait, là? Ça va être... Alors, Ruffier, je prends pas non plus. Luigi Seppe. Ouais, il n'a pas l'air... Attends, en plus, il a une tête, j'aime pas. Bon, je ne veux pas de délit de sale gueule, hein, mais je ne suis pas fan de la tête, puis je ne connais pas plus que ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Mais pourquoi il a un si bas niveau, Anthony Lopez? Alors ça, c'est un joueur que j'ai oublié de up, quoi. Il a vraiment un niveau, mais catastrophique dans FM. J'aimerais bien qu'on le mette à un vrai niveau, quand même, Anthony Lopez. Mousslera. Mousslera. Oh, Mousslera. Ah, j'ai peut-être trouvé, là. Ouais. Mousslera. Ou Areola. Qui, en plus, allait au Athènes, donc ça, ils vaut rien. Mais Mousslera. Enfin, ils vont peut-être pas le laisser partir comme ça non plus. Hein. Attendez, hein, je m'emballe peut-être un petit peu. Et au passage, il y a Golini, là. Ouais. Oui, transfert réaliste, hein, j'ai bien compris. C'est juste les joueurs qui accepteraient de me rejoindre. Ça, je sais bien. Je sais bien, mais justement, voilà, c'est une manière aussi de dire, bon, réaliste, oui, mais oui et non, quoi. Enfin, parce que j'ai pas du tout le budget pour les faire venir. Alors maintenant, ils seraient OK pour venir. Pourquoi? Bah, parce qu'on joue à la Ligue des Champions. Très bien. Maintenant,
Dire que c'est réaliste, ça me paraît totalement insensé. Alors Begovic, ça serait très intéressant. Maintenant, il a 504 salaires. Donc là, ça me paraît très très compliqué et très compromis. Skoufet, je crois qu'il est au Milan AC, donc ça n'est pas la peine parce que bah, il est déjà il est bien quoi. Il est bien et il a pas envie de bardir. Il n'a pas envie de partir, donc ça ne sert à rien. Alors Akinfeyev, c'est toujours intéressant aussi, hein. Et Mousselera, on va observer. Comment s'appelle l'autre qui est pas mauvais de l'Udinese, là, qui est souvent un jeune potentiel, pas mal, hein. Papo Galvette ou quelque chose comme ça, non? Meret, voilà, merci. Oh là là, là, là vous êtes génial. Alex Meret, Chianx, super. Qui est à l'Udinese d'ailleurs. Ah, par contre, qui est léger, léger là. Trop léger même. Trop, trop, trop léger. Juste pour. Regardez. Oh putain, il y a un potentiel par contre. Mais trop léger pour tout de suite. Trop léger pour tout de suite, on peut pas. Alors Kuhn, ouais, mais alors Kuhn. Kuhn, c'est typiquement le genre de gardien dont je suis pas fan. Parce que c'est très 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 excentrique quoi. Pas, c'est pas hyper hyper régulier quoi. Bon après, pour les joueurs Celtic pardon, il y a des bonnes notes. Hein, pardon. À voir, on va observer tout ça. On va observer tout ça. On va voir ce que ça donne. Golini formé à Parme? Je ne savais pas. Ben Garat, ouais, oufti, tiens, je vais aller regarder. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. On va arrêter avec les Anglais aussi, on va pas faire du recrutement anglais. Mais Golini, hey, le fait qu'il soit formé à Parme, tu sais que tu m'intéresses quand même là. Hein. Iñaki Peña, alors attends, regardez. Qui ça, Iñaki Peña? Est-ce que c'est fort ça? C'est Athletic Bilbao? C'est quoi? C'est Villarreal B. Oh, c'est 20 ans, c'est trop juste. C'est trop juste. Golini, tu me dis donc formé à Parme. Alors. Quand même regarder. Bon, il a pas l'air mauvais, mauvais, hein, mais bon, en dessous de l'Ali, en tout cas. Ouais. Ah, puis il est gardien quand même de la Lazio l'an dernier, titulaire. Hein. Mais je suis con ou quoi? Je l'ai fait jouer en Serie D, Golini? Tu rigoles. C'était mon gardien en série D. M'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Il était reparti à Vérone. Et derrière, il est parti à la Lazio. Et est devenu gardien titulaire à la Lazio. D'accord. Alors là, je redécouvre un truc quand même. Là, T'es bien? Je suis bien ma carrière, moi. Ok, bah, très bien. Bah, je l'avais. Mais alors, complètement zappé le garçon. Alors, par contre, offre de l'espagnol pour Parolo, ça, j'aime pas trop. Donc, je vais un tout petit peu augmenter le salaire. Même si, bon, allez, on joue Ligue des Champions quand même. Hein. Pas intérêt à ce qu'il nous pique Parolo, alors que l'espagnol Barcelone, je pense pas qu'il joue quelque chose d'intéressant, quoi. Quelle mémoire, hein? Quelle mémoire. En même temps, vous aviez aussi oublié, hein, n'est-ce pas? Alors, Areola, oui, il serait ok, mais 4,2 millions, je peux même pas les payer, tu déconnes. Ça, c'est une blague. Kashunga. Attends, buteur, si on a qui est Nacho, on va galérer, je vous le dis. Je vais regarder Cavani, je suis un marrant, même. Je suis un grand marrant. J'avais regardé Cavani, pourquoi? Je sais pas, mais. Alors pourquoi? Ah, on me dit pas qu'il faut que je recrute un adjoint. Ah, je sens que si, j'ai plus mon adjoint. Bah non, j'ai Claude. Ah, ça, je vous l'avais pas vu, mais j'ai recruté Claude Makélélé en adjoint. Je crois que vous l'aviez pas vu ça. J'ai Claude en adjoint. Claude surnommé, je ne dirais pas. Je ne vais pas dans ce genre de débat. Ah.
Voilà, alors, responsabilité, on va faire le taf. Ça, c'est bon, c'est fait. Donc, c'est pas fait là. Gère les causeries, c'est moi. Consigne particulière, maquée. Conférence, c'est moi. Interview au bord du terrain, c'est moi. Un match amico, maquée. Voilà. C'est réglé. It is réglé. Ah, Quincy Promesse! Quincy Promesse! Pourquoi pas Quincy Promesse? Bon, en tout cas, on fait nul contre la Roma. Oh, pop, 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 pop. Alors, attendez. Attendez, parce que lui, il viendrait nous rejoindre. Et lui, il est fort, quand même. Alors, c'est un régène, c'est ça qui m'ennuie, quoi. Alors, je vais mettre attendre, parce que j'ai envie de recruter un vrai joueur, quoi. Les régènes, à part Albert Durand, parce que c'est Caporal Durand, j'ai pas envie d'utiliser les régènes, quoi. Voyez l'histoire, quoi. Hein? Le baobab de Bamako. Sur le baobab, je ne savais pas. Hein, mais connaissais plutôt la poudre. Ah oui, Raoul Buffon, Makelele dans le staff. Oui, par contre, ça, le staff, je me suis fait plaisir. Hein, quand même. Hein, si on ne peut pas se faire plaisir sur le terrain, autant se faire plaisir dans le staff. On ne sait jamais ce qu'on peut faire. Bon, arrêtez avec les surnoms, parce que là, vous me faites marrer. Je ne le dis pas. Vous pouvez imaginer ce qu'il y a comme surnom. N'empêche, celle qui m'a toujours fait marrer, hein, c'est quand Pierre Ménez interview Thierry Henry. Et c'était le but contre l'Irlande. C'est quoi? C'est 2010 qu'il le met? Je sais plus. Le but qualificatif. Alors, t'as Pierre Ménez qui fait Henry. Bah écoute, vas-y, Thierry, raconte-nous un peu. Bah, il parle comme ça, Pierre Ménez. Alors raconte-nous ton but là contre l'Irlande. Alors, t'as Thierry Henry qui fait, bah écoute, voilà, je reçois le ballon, je sais plus qui c'est qui lui passe, ah, je frappe, ça passe sous les bijoux de famille de Franck, et ça fait but. Et là, t'as Pierre Ménès qui te sort. Bah, heureusement que c'était pas Makelele, sinon ça serait pas passé. Et là, je suis plié, j'étais plié quand il avait sorti ça. Et surtout, Henry qui est mort de rire, hein. Parce que Henry n'était pas en reste non plus, hein. Bref! Sujet clos, revenons à notre recrutement. Hein. Je crois que j'ai Phil Cannon également ouais, en recrutement. Non, mais je suis bien. Je suis bien. Alors, Joe Hart, il serait chaud pour venir. Joe Hart, il est à Newcastle. Bah, voyons. Et puis, il était parti à Chelsea. Bah, voyons. Ok. Pourquoi pas, hein? Moi, je suis pas contre, hein. Et Maxime Coval, tu viendrais pour combien d'euros, toi? 27 millions. Ça veut dire qu'à 15, à 15, on peut l'avoir, quoi. Et Mousselera, on peut te recruter pour pas cher ou pas? Attends, juste pour voir. Ah oui, non, bah non, mais ouais, ils veulent le garder. Ils vont le garder, suis-je bête. Qui je n'ai pas recruté, regardé que vous m'aviez dit? Bah, c'était Ben Garrard, je crois, hein, que j'ai pas encore regardé. Et sinon, si on met genre à 140, 5, le niveau actuel, ça donne quoi? Oh, pas cher, ah oui, il reste pas beaucoup. Hein. Là, il n'en reste pas beaucoup, là. Hein. Butland, qui est gardien titulaire de City. Sergio Rico, Séville. Non, me parlez pas de Séville. On ne parle plus de Séville. Ah, marre. Merde. Ah, marre de Séville. Ah. Ouais, bon. C'est pas génial, génial. Hein. Là, je veux dire ce qui est. Hein. Alors attends, Sousso, est-ce qu'on peut t'avoir en prêt, toi? 325 000 euros par mois? Putain, les gars! Non, 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 je peux pas. La Senro. Ouais, qu'est-ce que tu m'as dit, Ouida Fox, alors roulis. Ouais, roulis, ça va être trop fort. Ouais, je vais aller regarder les autres. Je vais aller regarder les autres, mais il faut, par contre, il faut un gardien qui soit capable d'être très bon tout de suite.
je peux pas me permettre d'avoir un bon potentiel parce que on joue la Ligue des Champions et qu'en Ligue des Champions, il te faut un gros gardien, quoi. Sinon, c'est pas. On va rien faire. Hein. C'est officiel pour Matip, Olanius, c'est-à-dire, bah, bien sûr, ouais, Matip, il va. Matip, c'est sûr, hein. Matip, c'est sûr qu'il va à Liverpool. Le transfert est officialisé depuis 3-4 mois, hein. 3 mois peut-être. Peut-être pas 4 mois, mais 3 mois. Facile. Il est en fin de contrat avec Schalke, donc il avait dit qu'il avait signé un contrat avec Liverpool. Et ça, c'est une très bonne recrue. On est absolument d'accord. Non, alors Hugo, tu ne parles pas du match. On ne parle pas du match. C'est quoi ? C'était quoi la règle ? On ne parle pas. Ne dis rien. Alors Sirigu serait une recrue de qualité, estimation du coup. Mais j'ai pas le budget, mon vieux, quoi. Ah oui, Rajkovic, quel qu'en soit le prix. Ils sont marrants, eux. Il n'y a que Kuhn que je pourrais avoir. Ou... Ah, je pourrais avoir Lassana Diarra. Super. C'est pas un gardien, ça. Aïe, 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 je vous dis, ça va être très compliqué. Medel, allez, on prend. Ah ouais, parce qu'on peut plus réajuster. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, ce club, ces dirigeants, c'est... Alors, est-ce qu'on va être obligé de vendre Angel Correa pour avoir des sous, hein? J'ai pas envie, hein, mais... Si on a une belle offre, sait-on jamais, hein? Bellegoni aussi, qui pourrait être intéressant de vendre. Ça va être difficile tout ça. Hein. Je paye un peu le recrutement de première saison en finance. Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Peut-être un petit peu, je sais pas. Mais bon, on n'était pas non plus. Arkuma Babacar, Newcastle. Ça serait fort aussi. Hein. Ah bah il vient d'être transféré, ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas beaucoup de choix. Hein. Merci, oui, t'as remis ta liste de gardiens, ouais. T'as remis ta liste de gardiens. Mais ouais, j'ai pas beaucoup de choix. Hein. J'ai pas beaucoup de choix, malheureusement, et je pense qu'on pourra trouver... ça va être très dur de trouver un joueur de sa qualité, mais... Parce que là, plus de Correa, l'équipe, elle a une sale tête. Hein. Voilà, je vendrais... Là, j'ai déjà vendu les Ali qui étaient importants. Je peux pas. Et voilà, faut souvent de ça qui part en prêt à Newcastle, malheureusement. Ça aurait été vraiment intéressant de l'avoir en défense. On va rester aussi collé un petit peu à la liste des prêts, hein, pour voir s'il n'y a pas des prêts pas chers qu'on pourrait éventuellement avoir. Ça va se débloquer aussi petit à petit, hein, ça c'est ce qu'il faut savoir. Casemiro, c'est combien déjà en prêt? Ah, ils ont 300 000 euros par mois, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marcos Alonso, tiens, vous m'aviez dit d'aller le voir, mais c'est pas oufissime. Grimaldo, en fait, il faudrait que je le prenne en prêt, quoi. Et Lucas Hernandez en défense. Ce serait pas idiot non plus. Ziyech. Ouais, je sais pas à voir. Hein. Et Clem, merci beaucoup du follow, bienvenue. Bienvenue à toi. Tiens, Locatelli, hein, qui est en prêt au Milan. Lukajovic, tiens. Ah ouais, mais non, le niveau, non. Le niveau, pas assez bon. Pas assez bon, Luca. Josip Radosevic.
Tiens, Abbas. Là, comme ça me plaît moyennement, hein. Ça me plaît moyennement. Timothy Castagne. Plutôt un arrière-droit qu'un défenseur central quand même, hein. Il y a Stafilidis à gauche, éventuellement. Yanis Hadji, ouais. Andrea Mariani, ça c'est un régène italien, intéressant aussi. Bon, stats techniques, à part la finition, c'est pas terrible. Ziyech, j'ai regardé. Mais ouais, on va être à mon avis, on va être obligé de vendre. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Et puis on va voir. Alors je vais aussi observer les gardiens que m'a donné Wigda là. Alors. Tant que je regarde un peu là, voilà. Bon, alors Rouli. Je vais aller le voir, mais bah, il a City. Donc on oublie. Alors, Emile Aodero. Gardien de la Juve, 20 ans. Enfin, en tout cas, chez les moins de 20. Alors, le niveau actuel, à mon avis, ça va pas être ça. Mais bon. Guerrieri. Guido Guerrieri, De Carpi. Est-ce que t'es fort, toi? Pas trop. Non, non, là, le niveau, ça va pas. Marco Sportiello. Ça, je crois que je l'ai vu passer. Ouais, Udinese. Udinese, et c'est le gardien titulaire de l'Udinese. Donc, on regarde. Et Zaccagno. Eh ben, je vais regarder aussi, hein. Andrea Zaccagno. Alors, un buteur qui m'aurait plu, est-ce qu'il est toujours au Torino? Je crois pas, c'est Bolatti. Je pense qu'il est parti. C'est pas Bolatti. Comment il s'appelle le buteur du Torino? S'il est parti, on va le voir tout de suite, parce que je le connais. Je ne connais presque que lui, j'ai envie de vous dire. Mais il peut pas partir, hein? Attends, c'est moi qui déconne. Comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou! C'est pas Bolatti, c'est... J'ai pas Benassi hein, non plus, hein. C'est pas lui que je cherche. Tiens, Camille Glic, au passage, ça me fait penser qu'il est très fort. Donc, j'observe. C'est Bellotti! Merci! Beandrea Bellotti. Alors, ah bah, il est au Wolves. Oh, il est au Wolves, putain, c'est un club pourri, ça. Bah ouais, mais 528K de salaire, bah, il vient de partir. Alors ça, c'était mon attaquant que je prévoyais vraiment d'acheter. Hein. Italien, 25 ans, le mec a des super stats. Oh, ça saoule, quoi. Part au Wolverhampton, quoi. Sérieux, quoi. Il m'a tué, là. Il m'a tué. Andrea Bellotti. Oh, là 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 là. Bon. Ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce très compliqué. Pourtant, hein, j'ai l'habitude de faire des bons tours hein, dans le mercato. Hein, mais là, non. Ah bah Berardi, non, Berardi, c'est trop fort. Je crois qu'il a United en plus là. C'est très fort Berardi, mais c'est déjà très fort en début de partie. Donc c'est très fort en début de partie, et jeune. Donc ça, c'est même pas la peine de regarder. On n'aura pas. Ouais, non, mais c'est très intéressant, c'est un mercato intéressant, puisque je galère vraiment. Je galère vraiment parce qu'on n'a pas de budget, parce qu'il faut faire des choix intéressants et forts. Est-ce que je suis obligé de vendre Coréa? Je me tâte, hein, franchement, je me tâte pour avoir du budget, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué.
En revanche, je vais bientôt faire une petite sauvegarde quand même parce qu'on ne sait jamais avec ce jeu là, comme on fait beaucoup de choses d'un coup, j'ai pas envie qu'il me plantouille dans la vue. Hein, donc on va quand même lui proposer de faire une petite sauvegarde. Alors voilà, Grimaldo, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais t'enlever ton offre de transfert et je vais te faire une offre de prêt. Ce sera beaucoup plus simple. Par contre, il demande 275 000 euros par mois. Mais c'est abusé. Mais c'est vraiment abusé. René Adélaïde, alors René Adélaïde, en prêt. Tiens, en prêt, ça repasserait. Peut toujours proposer, hein. Peut toujours proposer, mais c'est pas lui qui va venir nous sauver, quoi. Alors après. Non, parce que dans ce cas, autant aller regarder les bons vieux, quoi, tu vois. Le bon vieux Patrick. Patrick, il part en prêt ou pas? Patrick, il part pas en prêt! Part pas en prêt, Patrick. Ah non, Carlos Fierro, je suis pas fan. Ah oui, bah Minala, bah bien sûr, oui, de la Lazio. Ouais. Bon. Un transfert, tu proposes quoi d'autre là? Est-ce qu'il y a des nouveaux sur la liste? Je n'ai pas l'impression, hein. Ça se bouscule pas, hein. Ça ne se bouscule pas. Tididim, 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 Charles Caboret. Tididim. Tiens, Adrian. Eh. Alors, c'est pas le gardien dans ton rêve, hein, mais ça a le mérite d'être intéressant. Il est pas mauvais, hein. Et Raffaele Di Gennaro. Est-ce que t'es fort, toi? Je sais pas. Hein. Je sais pas, mais t'étais gardien de Cesena, donc on va regarder. Regardons. Salut le bouteau! Comment vas-tu? Donc Adrian, hein? Pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, mais dites-moi. On lui aurait faiblard, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, on va vraiment galérer. Je le dis rarement, hein? Je suis rarement autant embêté, mais là. Là, ça va être compliqué, hein. Ça va être fort complexe, les amis. Hein. Bon, moi je pense qu'il faut attendre que ça se décante un petit peu aussi au niveau du marché. Sachant que on commence la saison quand même en août, hein, et fin août. Hein, donc on a aussi là-dessus un petit peu le temps pour s'y mettre. Bah, Donnarumma, déjà il est au Bayern, donc à l'achat, c'est pas possible. Et le problème, c'est qu'il n'est pas gardien titulaire, mais ils veulent pas le laisser partir en prêt. Alors ça l'embête un peu, quoi. Tu vois, Donnarumma, là. Viens là. Et salut le frérot Bigno, et merci pour le follow, au passage. Bienvenue à toi. C'est quoi? C'est Gianluigi Donnarumma. C'est ça, hein? C'est pas Gianluigi. Et Falcotte, merci à toi pour le follow également. Hein, Rosbach. Ah, sinon, il y a toujours Anthony Lopez, hein, mais Anthony Lopez, il va falloir que je le hop, quoi. Rosbach, il vaut 8,5 millions. Hein. Anthony Lopez, non. Franchement, Anthony Lopez, j'ai juste regardé son niveau. Et au pire, je ne le prends pas, mais je le hop. C'est pas possible qu'il soit pas bon, quoi.
Ah bah 149, 155. Alors attendez, je rectifie le tir. Il n'est pas si mauvais que ça. Il demande 10 millions. Je peux pas, j'ai pas le pognon. Et Begovic, j'ai observé, mais tiens, Mvogo. Oui, Mvogo, c'est Young Boys de Berne, c'est ça, non? En tout cas, c'est ah bah, c'est toujours Young Boys de Berne. Regardons. Regardons, bah, je suis ouvert à tout, hein. Je suis ouvert. Je prends vos idées, Subasic. Je regarde. C'est pas mal. C'est pas mal, Subasic. C'est pas mal. Qui répète. Assène de Nice. Oui, je sais, tu me l'as dit, mais Assène, je pense. Je pense que ça va pas le faire. Et puis en plus de ça, il est au Vols. Voilà. Mais j'observe. Ouais, je cherchais un goal. Enfin, je cherche pas mal de joueurs en fait. Hein. Ah, Paul Nardi, ça c'est pas con. Jamais testé en plus Paul Nardi. Paul Nardi, il est à Lille. Il est peut-être déjà en prêt. Bon, par contre, le niveau actuel, ça n'a pas l'air formidable. Et il vient d'être transféré à Lille. Bon. Mais je cherche pas mal de joueurs en fait. Pour tout vous dire. Hein. Donc, je sais que Rome ne s'est pas faite en un jour, mais Parme non plus. Hein. Dinosoff. Voilà, Marvel, il a compris. Dinosoff. Ça sera bien. J'arrive, je vais enlever mes lentilles parce que je commence à au niveau des yeux là. Enfin, vous avez compris, hein? Allez, je regarde juste les messages pour finir. Dis donc, on est 70 ce soir. C'est bien, vous me soutenez pour la défaite de Liverpool. Attendez, j'ai dit que je parlais pas du match. Alors je n'en parle pas. Non, mais je suis sympa. Merci. C'est gentil d'être présent. Je n'oublie pas. J'aime bien Adrian, hein? Je vous le dis là, Le profil me plaît, hein. Subacic, c'est pas mal aussi. Alors, ah oui, il y avait José Mori aussi. Et José Mori, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est formé à Parme. C'est formé à Parme, mais c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Bon, j'arrive. Allez, re tout le monde. J'ai fait la sauvegarde hein, parce que je parlais, je parlais, je parlais, puis j'avais dit que je devais faire une sauvegarde que je n'avais pas faite. Hein. Ah, Poulaïvel! Oui, bien. Alors Cristante, bon, pas gardien, mais bon. Très bon Cristante, mais trop cher. Alors, Lafond dans la première mise à jour, t'oublies. Hein. Déjà, en direct. Et Mathieu Ryan, cher. Non, on ne parle pas de Séville. Non, Séville, ils n'ont pas de gardien, ils ont personne, Séville. C'est fini, Séville. C'est fini pour eux. Il y a moyen que je fasse une demande aux dirigeants? Toujours pas. Non, 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 je ne peux pas faire. Je peux rien faire.
J'hésite, hein. J'hésite à le vendre, hein. C'est dommage, mais j'hésite. Tant personne ne l'observe, hein. Bon, je vais aller observer le gardien de Séville. Je vais aller l'observer. Ah, vas-y, attends. Sergio Rico. Mais j'ai demandé un espace. Mais oh, tu te calmes un peu là. Il prend pas en compte. Qu'est-ce qu'il est lent ce jeu? Qu'est-ce qu'il est lent ce jeu? Alors, Sergio Rico. Je pourrais essayer de le vendre en gardant un prénom. Putain, c'est vrai que c'est pas cher, hein. Ouh, pop, pop, pop. C'est pas cher du tout, hein. Écoute, bon, il joue à Séville, hein, mais. Ah non, Leno, trop cher, Marvel. Trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Bon, sinon, il y a Areola qui. Le transfert peut se faire, hein. On a juste besoin du montant et c'est bon, hein. Oui, je sais. Je sais, mais j'avais du mal à aller voir un joueur de Séville là-dedans ce soir. C'est tout. Je l'ai fait. Voyez quand même cette ouverture d'esprit. Alors. Gamero, Bombéu. Alors, par contre, toi, tu vas commencer à sortir. Hein. Alors, Romania, sinon Real Madrid. Super. Proto, Anderlecht. Ouais, c'est un peu vieux, Proto, hein, je pense. Hein. En MDC, il y a Ibora. Non, mais c'est fini, oui! Oui, puis Banega en MOC, vous êtes au courant, oui. Enfin, je ne réponds même plus. Je ne réponds même plus à ces genres de messages. J'en ai marre. Alors, non, plus sérieusement. Bon, Silvio Proto. Ah bah, Silvio Proto, il est entraîneur des gardiens, alors tu vois. Comme je disais, hein. Non, alors par contre, Castils, ouais. Il joue en réserve à Gladbach. Oh là là, ah oui, non, lui, il a pas bien évolué. Hein. Il n'a pas bien évolué, le pépère, hein, malheureusement. Non, vous m'en aviez donné un autre aussi à un moment donné. Matheus Pereira, Gaëtan. Matheus Pereira. Pereira. Il m'a dit bon potentiel, mais. Et je ne l'ai pas en gardien. J'ai pas de Matheus Pereira en gardien, Gaëtan. Ah, il y a Moët en. Oh là, voilà, non, non, j'aime pas ça. Moët en gardien, ouais. Jerzy, c'est pas ça, ou un truc comme ça, ou. Non, c'est pas. Ou... Non, c'est comment? Il est au PSV, non? Hein, il est au PSV. Zoët, pas Moët. Putain, je bois trop de champagne, moi. Ah, je bois trop de champagne. C'est Zouette. C'est ça, non? Mais il n'est pas là. Mais il est où? Padam! Tiens, Andrés Guardado, ce serait fort, ça. J'aime bien ce joueur, Andrés Guardado. C'est Zouette. Il est hongrois, non? Il y a Watford! Ils sont tous en Angleterre, les mecs! Ah non, il n'est pas du tout hongrois. Ils avaient un gardien hongrois à un moment. Comment il s'appelait? Attends, tu vois qu'il a la double nationalité, rassure-moi. Pas du tout, j'ai complètement craqué. Bon, c'est pas grave, je commence à être fatigué là. Hein. Mouette, non, je commence à fatiguer, je commence à fatiguer, je vous le dis. Tiens, il est où Ousmane? Je crois que je l'avais un peu up, Ousmane. Quand même. Ah ben il est à Rennes. Ah, on va le recruter.
Hein? On va recruter Ousmane. Allez. Il vaut 7 millions. Boum. Ah, il demande 21. C'est dommage, hein. C'est dommage, parce qu'Ousmane, j'aurais bien kiffé, hein. Ah non, je cherche pas juste un gardien. Non, je cherche tout. Je cherche tout. Karius. Ah, j'ai vu Karius, il est à Wolfsburg. Il est à Wolfsburg, Karius, dans la partie. Donc, c'est pas la peine. Trop cher. Demasiado caro. David Rouf au Mouez Ben Chifra. Hein. Attends, s'il y a Areola qui vient, ou le Sergio Rico, là, moi j'aime bien ça. C'est des gars qui sont bons tout de suite. Ben, c'est ce qu'il faut. Bon, le jeu est lent, c'est normal. Hein. On fait beaucoup d'observations en peu de temps. Hein, donc, et puis, mine de rien, dans la quatrième saison. Alors, il y a pas mal de données qui ont été faites, hein, qui ont été calculées. Oui, il me faut deux gardiens. Oui, non, mais écoute, un déjà, c'est bien. Hein. Tu vois? Un, c'est pas mal. On verra pour le deuxième après. Paul Lopez au cage, Bonazzoli en BEU, Mourou à gauche. Ouais, c'est des noms que je connais, ça. Hein. Regardez. Je vais aller regarder ta liste, Braco. Ah, Matheus Pereira en ailier, tu disais, Gaëtan. Ah, j'avais compris que c'était en gardien, parce que tu me parlais de Matheus Pereira quand on parlait des gardiens. Et Alastra, c'est un gardien, Paul, aussi, ou pas, ça? Et le Adrian, là, de West Ham, personne, non? J'en ai parlé, vous ne m'avez pas dit ce que vous en pensiez. En bon, QPR pour Grimaldo. Combien ils font une offre pour... Hein 6 millions pour Grimaldo. Ah, mais ça sert à rien, c'est trop cher. C'est trop cher pour moi maintenant. C'est trop cher pour moi tout de suite. Et Adam Killer, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je sais que tu streams également de temps en temps du FM, me semble-t-il. En tout cas, bienvenue. Adrien, ça a pas l'air mal, hein. Ça a pas l'air mal, Adrien, de... Il est où? Tu es où? Voilà, tu es là. T'es pas mal. Alors, entre Adrian et Sergio Rico. Vraiment, Sergio Rico, gardien de Séville, ça me fait mal hein, quand même. Hein. Ça me fait mal. Hein. Après, il est bien noté. Hein. Et il n'est pas cher. Et il n'est pas cher. Et si ça passe à... Genre, si ça passe à vraiment pas grand-chose... Ça vaut peut-être le coup quand même. Et Jérôme, merci beaucoup du follow également. Bienvenue à toi. N'hésite pas à participer sur le chat. Bon, 3, 4. Ça passe ça. Ça passe. Ça passe. Alors, David Rouf ou Chichen Stankovic. Adam Killer. Alors. Oh, c'est un gardien d'Anderlecht, hein. Pense très bien, hein. Ah, un peu jeune, hein. Un peu jeune. Et l'autre, c'est Chichen Stankovic. Est-ce que j'avais pris la Serbie? Je sais pas où il joue. Fenerbahçe. Fenerbahçe, je connais pas ça, tiens. Autrichien. Pas mal, ça. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'un hein, Lovre Kalinic Alastra, jette un œil. Alors, Alastra. Fabrizio Alastra. Eh ben, j'y regarde. Ah oui, mais j'y regarde. Mais ah, niveau actuel, c'est pas top. Malheureusement.
Alors écoute, Hard, je suppose que tu es belge. Figure-toi que je vis en Belgique. Alors, je parle comme je veux, voilà. Faut pas mal le prendre, hein. Et puis d'abord, si tu veux, je peux faire l'accent liégeois, hein. Tous les fans de Liverpool pleurent pour Sergio Rico. Mais oui, je suis un traître envers ma grande patrie de Liverpool. C'est terrible, hein. Mais attends, par contre, il vaut le coup quand même, hein. Ah non, la Lazio, ils s'y mettent aussi, là. Oh, on se calme, là. Putain, je vais être obligé de mettre un salaire de... Vous avez compris, quoi. De ma boule. Bon, on va mettre un peu à l'agent, quoi. On va faire 2-5. Oh là 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 là. Ah non, mais là, on est mal, hein. J'ai la Ligue des Champions. Ils ont la Ligue des Champions ou pas? Attendez. Je me souviens plus. Ah bah ouais, en plus, ils ont la Ligue des Champions. Ah, faut qu'on soit sérieux, là. Faut quand même qu'on fasse une offre relativement sérieuse pour Sergio Rico. Ça passe à 208K. Je vais lui dire que je suis très... voilà. Parce que, ouais, il est pas cher et... Bon. Je ne suis pas liégeois. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez dit? Ben, sinon, à mon avis, Adrian, ça risque. On risque de devoir se rabattre sur Adrian. Parce que là, Sergio Rico, on se bat avec la Lazio. J'ai peur, malheureusement, que la Lazio n'emporte la bataille. Puisqu'on joue tous les deux la Ligue des Champions et qu'ils ont plus de. De budget, enfin de tout ce que vous voulez, quoi. On peut toujours éventuellement lui proposer un meilleur salaire. Qu'en pensez-vous? Peut-être que c'était pas assez. La reine Adelaide, il refuse d'être prêté chez nous, dis donc. On n'est pas sorti du lot, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai bien envie de mettre un petit peu plus en salaire à Sergio Rico. Il y a combien là actuellement? Il y a 212K, ouais, je peux pas lui proposer moins. Là, je lui ai proposé moins. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Donc, je vais lui mettre 228. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup, je trouve, hein. Dave Drum, Mateus Pereira. Alors là, vous me donnez beaucoup, beaucoup de joueurs, ouais. Alors, Mourou, oui, j'ai toujours pas vu. Alors, Areola, bon. Nicolas Mourou, mais je pense qu'il était parti, Nicolas Mourou. Ah, tu vois, il est à l'Atlético, donc malheureusement, ça va être difficile pour avoir Nicolas Mourou. Très, très bon joueur, en tout cas. Il m'avait un peu déçu l'an dernier avec Wrexham. Anthony Maisonial. Ah ouais, mais alors déjà, tu vois, avec la tête, non. Hein. Non, je fais un délit de sale tête, mais non. Voilà. Engels. Ça, Engels en défense centrale, club de Bruges. On va regarder. William Poe. Oui, Bonazzoli, tu m'avais dit ça m'intéresse d'aller voir quand même. Federico Bonazzoli, hein. Federico Bonazzoli, de la Sampdoria. Alors, c'est pas mal ça. C'est bien, Bonazzoli, mais c'est cher. Commence à être pas mauvais, hein, petit Bonazzoli. Bon, passons encore, on va voir. Je vous dis, j'attends aussi qu'un petit peu que ça se débloque en termes de liste de prêts et de liste des transferts. Et que les prix baissent. Quand ils n'arrivent pas à vendre des joueurs, ils baissent les prix, comme nous, hein. Alors, pardon, j'avais pas vu ton message, Dame Killer. Alors, tu m'as proposé... Bah, Gilas, je connais.
Gilas, que je connais, ça ne m'intéresse pas spécialement. Alors, Kevin Vogt, en revanche, je vais regarder. Ça, oui, je sais que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Tu m'as dit qui d'autre? Tu m'as dit Disque Rude. Ça, c'est le milieu de New York. Ouais, mais alors, soit bon. Je pense qu'on peut quand même avoir mieux. Alors, après, niveau milieu. Ça va, quoi. On n'est pas non plus catastrophique, quoi. Igalo, c'est pas mal. C'est pas mal en buteur, Igalo. Qui a fait une très très belle saison d'ailleurs avec Watford cette année. Là, il est à Stoke dans la partie. Il doit avoir un peu plus de 30 ans, je pense, là. Bah, 30 ans pile. C'est pas idiot. C'est pas idiot. On va aller le regarder. Bonne idée. Et Donati, c'est Guido Donati, hein, je crois. Ou Giulio, non, je sais plus. Je sais plus quel Donati on veut regarder. Peut-être Giulio. Défenseur droit. Alors défenseur droit, on a Calabria. Hein. Plutôt un défenseur gauche hein, qui nous faut. En priorité, c'est un défenseur gauche d'ailleurs, oui, et un gardien, parce qu'on a personne à ce poste. Hein. Alors, Batshuayi en buteur. Pas bête. Êtes-vous pour ou contre? Pas mal, Batshuayi aussi. Hein. Et Ben Davis à gauche, ça peut être une solution. Hein. Ça peut être une solution. Et Titit, 74, merci beaucoup du follow. Bienvenue à toi. J'ai vu que tu avais posté quelques messages là depuis tout à l'heure. Mais bienvenue en tout cas. En tout cas, merci à tous pour être si nombreux ce soir. Ça me donne un petit peu de baume au cœur après cette défaite de Liverpool. Mais ça va, je m'en sors. Romagnoli, oh, bah, Romagnoli, non, non, Romagnoli, je crois qu'il est au Milan, je sais plus où, et il est très fort et il est très cher. Voilà, il est titulaire avec l'équipe d'Italie, donc ça n'est même pas la peine d'y jeter un œil. On voit-tu? Non, là, notre effectif, il est faiblard. Hein. Il est faiblard, y a personne. Alors en même temps, on a fait des offres, mais regardez, on est bloqué. On est complètement bloqué par les dirigeants. C'est insensé. Je regarde. C'est pas sympa, mais je regarde. C'est ça. Je regarde à tout hasard, si j'ai une grosse propale. Ah, c'est vrai que lui, il viendrait sous forme de prêt. Ouais. Alors, Kevin Vogt, c'est pas mal, ouais. Aucune offre pour Correa. En même temps, j'ai demandé beaucoup, hein. Alors, si je demande 35. Jordan Murray, ah, Mignolet, t'es marrant toi, Shanks. T'es marrant, Mignolet. Bah voyons, je vais prendre Mignolet. Bon, enfin, remarque. Ah, trop irrégulier, Mignolet. Salut, VS Vodka, comment vas-tu? Ah là là. Et Inel, salut à toi, merci du follow également, bienvenue. Bienvenue, n'hésite pas à participer sur le chat. Alors, écoute, sur les dernières saisons, donc en fait, on est monté de D4, hein, donc on a fait D4, D3, D2, puis Serie A, et on a terminé troisième de Serie A pour notre première saison de Serie A. C'était assez inespéré parce que c'était compliqué, hein. C'était très, 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 très compliqué quand même, hein.
Engels, c'est bien, mais c'est cher. Mais c'est très bien. Typiquement, ça serait très très intéressant pour nous. Ah là 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 là, mais les dirigeants, sérieux, mais ça m'énerve quand ça bloque complètement. Tu comprends pas pourquoi. Enfin, c'est. Bon, Coréa, il veut pas partir, hein. Coréa, il veut pas partir. Donc, ça n'a aucun intérêt de le virer. Allez, viens reprendre Vertonghen. J'en ai marre, quoi. Et puis, on pourrait peut-être avoir le budget Ligue des Champions. Ah non, c'est pas tout de suite, hein. Alors, par contre, oui, c'est vrai que tout ce qui est Amérique du Sud, en Italie, il faut faire attention parce que les extra-communautaires, c'est pas vraiment un système extra-communautaire, mais on ne peut pas recruter plus de tant d'étrangers par an, hein, il me semble-t-il, hein, dans les règlements. Donc, il faut éviter quand même. Il faut éviter d'en prendre trop. Et moi, je pense que si j'en prends un, c'est un très bon, quoi. Voilà. Alors Darmian, Santon, ouais, c'est bien ça, tout ça, mais à mon avis, ça va être cher. Hein. David et Santon à gauche, ça serait bien. En effet. Hein. Mais ça risque d'être assez cher. Voilà. En tout cas, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas. On observe, on réfléchit, mais bon. Mais bon, Juan Casares, je vais quand même aller l'observer. Là, si tu me dis que c'est une pépite, le petit garçon là. Juan Cadares. Il joue à Midtjylland. Ouais. Bon, 27 ans là, il est un poil faiblard, mais. Declan. Ah, tiens, on n'a pas vu toujours Ben Garat là. Il joue à Rotherham. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il a un niveau bidon. Et je regarde Butland parce que j'ai vu qu'il était gardien de City, mais j'ai vu que Rouli était aussi gardien de City dans la partie. Alors, je suis en train de me dire, si tu joues pas, viens chez moi, quoi. Non? Bon. Et Donnarumma, là, toujours. Non, tu. Bah non, après ça passe toujours pas. Darmian ne vaut plus rien en saison 3-4. Non, je vais regarder. Je vais regarder. On va attendre un petit peu, on va laisser passer un petit peu là. Histoire de voir si ça évolue en termes de liste des transferts et de liste des prêts. Parce que pour le moment, bah écoutez, on est un peu bloqué aussi bien financièrement. Ouais, enfin voilà, quoi, on est bloqué. On est bloqué. Du coup, j'ai pas regardé Declan, je crois. Bruno Pires. Bon, Spina, à la rigueur. Hein. Là, il me propose des joueurs assez intéressants aussi en Europe de l'Est. Vitaly Djambrayov, t'es pas mal toi en petit Regen là. Bon, j'évite de prendre des Regen pour la simple et bonne raison que c'est moins marrant. Si on peut dire qu'il y a quelque chose de marrant. Alors, ce type-là ressemble à un de mes potes, mais un truc de ouf. Hein. J'ai un de mes copains qui lui ressemble, mais vraiment comme deux gouttes d'eau, c'est très très drôle quoi. Français, hein, pas. Tiens, Kokorin. Pas mal ça en buteur, Kokorin. Hein. Mais bon, les salaires sont beaucoup trop élevés. Les salaires sont beaucoup, 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 beaucoup trop élevés. Donc, reprenons. Salut, Jekyll. Et salut, Loulou PSG. Lato en DG.
Lato, Tony Lato. Il est légal. C'est un peu jeune pour le moment, mais bon. Si c'est un potentiel, why not? Alors, Mbolo, trop cher. Non, d'ailleurs, j'ai pas reçu le succès héros italien, Shanks. Peut-être parce que je démarre de la série D, qui est pas officiellement en ligue dans FM. Ah bah Carlos Fierro, absolument énorme dans les anciens FM. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il devient. Carlos Fierro est à Bordeaux. Alors c'est vrai que là, d'un coup, ça devient un peu moins fort. Mais il a l'air d'avoir encore un profil, ma foi, fort intéressant. Mais il est moins cheaté qu'avant. Maintenant, c'est plutôt les Serbes. Ça me fait penser, d'ailleurs. Tiens, tu vois, regarde, Adam Killer, c'est lui qu'il faut prendre. Hein. C'est Andrija. Enfin, lui, tu le prends tout le temps en début de partie. Parce qu'après, il vaut 37 millions d'euros. Voilà. Et là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. J'ai pas oublié hein, les joueurs que vous m'avez dit aussi. Hein, je pense à pas mal de choses en même temps. Ah, Terence Kongolo, c'est pas mal. Hein. Attends, on va t'observer. Combien t'es... 13 millions 200. Bon, pour le moment, c'est trop cher. Mais c'est bien. C'est bien. Ça m'intéresse. Et c'est qui Boschila, là? Brésilien, tu viens d'où, toi? Oh, t'étais plutôt à Monaco, ok. Sao Paulo, bon. J'en découvre aussi, hein. Alors, Tayol, ouais, Tayol, je connais. Crichito, pas mal, ouais. Burnic, toi, j'aime bien Burnic, le nom, hein. Juste le nom, les gars. David Silva. David Silva. Faut arrêter de rêver. Je regarde encore un petit peu hein, dans les. J'ai rien loupé. Diego Capel, on l'avait. Ça nous intéresse pas. Alors, Matteo Darmian. Si je mets Damien, ça va pas. Matteo Darmian. Au Barça. Qui c'est qui me disait qu'il valait plus rien, Matteo Darmian? Voilà, hein. Merci. Vous m'écoutez parfois. Bon alors, par contre, David Santon, il est à l'Inter. Et il vaut encore quelque chose. Non, alors le mieux, ça serait d'avoir, comment il s'appelle? Di Marco. Federico Di Marco, monsieur et dame. Alors lui. Mais il était titulaire. Ah ouais, il est titulaire. Alors lui, il nous a fait tellement des super saisons, Di Marco. Regardez, il nous a fait 3 saisons. Hein. Des super notes. Regardez, 7,63, 7,85, 7,58. Hein. Et il te fait une saison quasi titulaire. Il a un profil. Regardez, à 21 ans, le niveau qu'il a. Bon, faut dire qu'on l'a bien monté, hein, à Parme. Hein. Mais bah je vais aller voir Jordan Lukaku alors. J'avais pas envie, mais je vais voir, je vais regarder. Je vais regarder notre Belge national. Hein. Il joue toujours au stand, alors c'est pas forcément. Non, mais il a pas l'air formidable, hein, Jordan. Hein. Lazare, ouais. Alors, Crichito, je pense qu'il a, il a pris peut-être un petit coup de vieux quand même, hein, le pépère Crichito. Hein. Pensez pas. Et puis, par contre, il n'a pas pris un coup de vieux sur son salaire, hein, 480K. Hein. On oublie, les gars. Alors, je vais me faire pareil, je vais aller regarder. Tac. Tiens, un petit coup déjà dans liste des prêts. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux? Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux qu'on n'avait pas vus tout à l'heure? Non, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. On va pas s'en sortir.
J'ai fort peur qu'on ne s'en sorte pas. Ah, mais attendez, je n'avais pas mis transfert. Voilà. Fallait que j'enlève ça dans les prêts. Bon, ça ne me change rien là, mais. Alors, si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça, s'il te plaît, poste. Actuel. S'il te plaît, merci. Et défenseur gauche. Alors, Butner, il était dans la liste. Hein. Bon, là, tout ça, c'est trop cher. Donc, je descends. Peut-être pas trop non plus. Alors, il y a Amavi. Vous m'en parliez tout à l'heure, hein, Jordan Amavi. Mais à mon avis, il est trop cher. Santon est cher, Williams aussi, Lazare aussi, il a plus de 10 millions. Je passe volontairement vers des montants un peu moins importants. Butner, c'est pas bête, hein. Butner, c'est pas bête. Allons observer, allez. Ah, Masuaku, c'était pas mal, ouais. Il jouait à l'Olympiakos, Masuaku, il me semble. Bon, décidément, on n'aura pas. On n'aura pas trouvé ce qu'on souhaite, quoi. Un peu épisode blanc, quoi. Hein. C'est rare, hein, mais on n'a pas de satisfaction, quoi. On va s'arrêter, on va être un peu. Je sais pas. Bon, de toute façon, la soirée avait mal commencé. Hein, donc... Non, mais plus sérieusement, j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui nous satisfait. Qui satisfait vraiment les besoins de l'équipe. C'est très difficile, c'est très compliqué. Non, par contre, ouais, le truc, c'est que voilà, là, quand ça fait ça, je comprends pas. Quand ça fait ça, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, on a modifié une fois, on est au club depuis je sais pas combien de temps. Et on peut rien modifier. Ça, vraiment, je comprends pas. Ça, c'est un truc pour moi, ça me paraît totalement irréaliste et incompréhensible, quoi. Pourquoi ça se bloque? Je comprends pas. Moi, à mon sens, je comprends pas. Moussa Konaté en buteur. Pas top top. Hein. Mais Icardi, je veux bien, oui. Juan Ressus, il serait chaud pour venir. Mais il est trop cher, le pépère. Cataldi, hein, vous m'en aviez parlé, j'avais observé. Alors, Igalo, c'est pas trop cher. Igalo, c'est pas trop cher et c'est pas mal, hein. Donc, Igalo, c'est peut-être intéressant. Hein. Ah ouais, il faudrait que je demande un nouveau contrat, ouais. Mais. T'as totalement raison. Hein. Je peux pas. Je peux pas. Là, il me laisse rien négocier. Là. Surtout dans la période des transferts. Donc, c'est hyper dur, quoi. Prend 2-0 par Galatasaray. C'est une offre en cours qui n'aboutit pas. Mais il y en a pas mal des offres en cours, hein, je t'avouerai. Hein. Parce que il y a pas mal de. Tu vois. Il y en a beaucoup des offres en cours. Hein. Les Maurice, j'ai annulé. Il y en a pas mal qui attendent confirmation. Hein.
Zagoïev, trop cher. Cocorine aussi. Tony Lato, un peu trop pour le niveau. Terence Kongolo, ça peut être intéressant. Di Marco, il m'en parle même pas. Crichito, c'est le salaire qui sera trop important. Ah, Rico, ça passerait. Rico, ça passerait. Alors, ce qu'on va faire... Tiens, juste pour info, combien il a de niveau actuel, le petit Rico, là ? Pas mal, hein, 145-155. Un petit coquin, le petit Sergio Rico, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Areola, lui, il avait combien ? Il est bon, Areola, hein. Eh, 147-155, Areola, hein. Et est-ce que je le paye beaucoup moins cher? 4,2 millions? Et je lui donne un salaire moins cher? Je me tâte hein, quand même, hein. Je me tâte. Qu'est-ce que vous prendriez? Areola ou Rico? Allez. Dites-moi un peu. C'est le même niveau, hein. C'est le même niveau. C'est deux bons gardiens. Allez, Areola parce que français, ouais. Areola. Allez, Areola à Athènes, le gâchis, c'est vrai, ouais. Ouh là là, ça vote Areola, là. Ça vote Areola. Ça vote Areola. Eh ben, ça sera Areola. Ça sera Areola, alors. Oh, qui vote Rico tout seul. Mais t'as voté Areola tout à l'heure aussi. Ah, Shanks qui dit Rico. Bien. Salut le Mantais, comment vas-tu? Alors, Carlos Luque. Putain, mais... je peux vraiment rien faire, quoi. Ouais, enfin, en fait, faudrait juste que je vende un joueur, quoi. Pour me libérer un peu, quoi. C'est terrible, mais... Mais je sais pas qui vendre. Hein. Bah, à part Angel Correa, quoi. Bogdan Ward. Il est marrant. Il est marrant, Doom Killer. Bogdan Ward, tu veux un Théo, toi hein. Toi, tu vas le chercher. Hein. Martin Feyev, ce serait très bon aussi, hein, mais... Bon. Bon, bon, bon. Mais écoutez, on n'aura pas beaucoup avancé. On n'aura pas beaucoup avancé. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que demain, moi, boulot. Je ne sais pas si je vous mettrai sur YouTube. Parce qu'au final, bon, on croit que c'est toujours intéressant de voir un épisode Mercato. Mais ça aurait été particulièrement... Ouais, si, parce que c'était difficile, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est ça qui peut être intéressant. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir participé, en tout cas, et d'avoir été aussi nombreux. Ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très très vite pour la suite de notre carrière avec Parme, et puis bien pour poursuivre ces transferts, parce que là, c'est vrai que pour le moment, c'est compliqué. On n'arrive pas, on s'en sort pas. On est bloqué en plus hein, au niveau des dirigeants. Donc écoutez, bah, j'espère qu'on va, on va vite avoir la solution adéquate. En tout cas, bah, écoutez, merci à tous. Bonne nuit, bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez l'épisode. Et puis moi, je vous dis donc à très 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 bientôt pour la suite de notre aventure avec Parma, et puis en espérant bah, que l'équipe commence à prendre forme la prochaine fois. Allez, salut tout le monde, bye bye, à très 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 bientôt.